Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo DIY tasse. On commence tout de suite avec la première tasse, donc vous avez besoin d'une petite tasse blanche de la couleur de votre choix, d'un dessin cactus pour former un pochoir et de peinture porcelaine. Vous allez commencer par découper votre petit cactus, faites-le bien d'un seul trait puisqu'il faut que ce soit le trou du cactus pour former un pochoir que l'on veut et pas le dessin cactus en lui-même. Une fois que vous avez votre pochoir, vous le fixez sur la tasse. Et avec la peinture porcelaine, venez remplir le pochoir. Moi j'ai fait un par un et du coup c'était un petit peu long. Si vous pouvez en faire plusieurs, ce sera beaucoup plus rapide. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo DIY tasse. On commence tout de suite avec la première tasse, donc vous avez besoin d'une petite tasse blanche de la couleur de votre choix, d'un dessin cactus pour former un pochoir et de peinture porcelaine. Vous allez commencer par découper votre petit cactus, faites-le bien d'un seul trait puisqu'il faut que ce soit le trou du cactus pour former un pochoir que l'on veut et pas le dessin cactus en lui-même. Une fois que vous avez votre pochoir, vous le fixez sur la tasse. Et avec la peinture porcelaine, venez remplir le pochoir. Moi j'ai fait un par un et du coup c'était un petit peu long. Si vous pouvez en faire plusieurs, ce sera beaucoup plus rapide. Tasse numéro 2, donc vous avez besoin d'une tasse, d'alcool et de Sharpie. Vous allez commencer par mettre un peu d'alcool sur un coton et passer sur la surface sur laquelle vous allez dessiner. J'ai fait deux petits arcs de cercle comme ça et des petits cils pour former les yeux. Ensuite, pour lui faire des petites joues, j'ai pris de la peinture rose. Et pour la bouche, j'ai pris un Sharpie rouge. Ensuite, vous mettez ça 20 minutes à 180 degrés au four. Comme ça, vos écritures vont rester sur la tasse. I'm running away from this pain. Tasse numéro 3, la tasse licorne, vous avez besoin d'un pochoir licorne et de peinture à porcelaine de la couleur de votre choix. Vous allez commencer par fixer le pochoir sur la tasse et ensuite venir remplir avec la peinture le pochoir. Pareil, vous mettez au four 20 minutes à 180 degrés et voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle tasse vous plaît le plus. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi cliquer juste là sur les miniatures si tu as raté mes vidéos précédentes.